Bon, les gars, c'est parti. Bienvenue dans le jeu Last Day on Earth. Alors, nous sommes avec la nouvelle version, donc la version 1.20.12. Donc, la mage est arrivée. C'est cool et je vais la découvrir avec vous. Allez, on va lire ensemble. Dernière étape de la foire. Donc, ça, c'est cool ce qu'on attendait. William vous attend pour l'inauguration. Essayez de survivre au labyrinthe. Donc, il y a un labyrinthe. Affronter des mercenaires dans l'arène ou jouer à la balle aux zombies. Ça a l'air cool, il y a plein de nouveaux trucs. Vous recevrez une récompense spéciale pour avoir aidé William, un réservoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réservoir? J'espère que c'est pas le réservoir du chopper. Enfin, pour certains, si, mais à mon avis, ça doit être écoutez, un nouveau meuble, on verra bien. Plus besoin de contenants de fortune ou rares. Des contenants de fortune. Bon, on verra bien ce que c'est. Lieu de ressources, c'est bien plus amusant d'aller chercher des ressources dans les pinèdes ou les falaises calcaires. Là, vous pouvez tomber sur un groupe de pilleurs, déterrer des trésors ou rencontrer des fanatiques. Qui sait ce qui pourrait vous arriver? Alors, j'allais dire oui pour nous. Maintenant, j'espère que ça ne va pas être trop difficile pour les nouveaux joueurs, parce que tomber sur des pilleurs ou des fanatiques, ça peut vite devenir compliqué. IU et carte globale, regardez comme c'est pratique. Vous pouvez maintenant voir les ressources que vous pouvez trouver dans un lieu. Ok. Ce qu'on pouvait faire un peu avant, mais il y avait tout, on savait pas exactement ce qu'il y avait. Vous pouvez également rafraîchir un lieu contre des rations. Vous ne voulez pas avant attendre que votre bunker ou votre ferme préférée se réinitialise. Faites-le vous-même. Ah, ça peut être cool si on a des quêtes à faire, des choses à faire. On peut réinitialiser un lieu une fois qu'on l'a fait. Pourquoi pas? Maintenant, il faut des rations, bien sûr. Autre, la restauration d'énergie sur la carte globale a été modifiée, vous aurez désormais besoin de rations. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, à voir, c'est toujours pareil. Bon, maintenant, ceux qui ont le chopper, je pense qu'avec la moto, il n'y aura pas besoin de restaurer l'énergie, mais bon, faut voir comment ça fonctionne. Alors, Marine peut vous échanger des coupons contre de la réputation dans le bunker alpha. Ouais, on va aller voir ça. Le chrono du niveau du statut VIP du prestige est visible dans le magasin. Ok, repeindre le chopper et les coffres chez vous, peut-être fait avec les ressources stockées dans les entrepôts aux alentours. Ok, le nombre d'objets dans certains lieux a été équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Les effets des explosions ont été améliorés, ça peut être cool. Et de nombreux bugs ont été corrigés, notamment celui où les statuts des coffres s'affichaient mal sur la mini-map. Ouais, c'est vrai que des fois, sur les minimaps, on avait l'impression que le coffre était toujours fermé alors qu'on l'avait déjà pris. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir tout ça. Normalement, c'est chargé. Donc, un nouveau visuel. Alors, j'espère que ça va charger. Non, voilà. Alors, Google Play. Ça y est, la musique arrive. Ça a été un petit peu long. Ça a été un petit peu long. Alors, je pense que la vidéo va être longue, hein, parce que là, je vais découvrir avec vous. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout à quoi m'attendre. Je vais peut-être faire cette vidéo en plusieurs parties, à mon avis. Je pense que je vais la faire en plusieurs parties, puisque déjà, il y a le bunker alpha où on peut aller échanger des tickets contre de la réputation. Donc, j'imagine pour avoir une disquette ici. Alors, je pense qu'il va falloir que je rentre. Oula, qu'est-ce que c'est? Bienvenue à la maison d'endroit. Ok, maintenant, alors attendez, attendez, attendez. C'est-à-dire que quand je clique sur un lieu, attendez, on va aller voir, on va aller vérifier deux, trois trucs. Si je clique là, hôtel, récompense possible. Alors, récompense principale, récompense possible. D'accord. Ouais, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Alors on peut courir ou marcher. Ok, on a toujours le même nombre d'énergie, donc ça c'est cool. Ah, mettons ici, on peut voir ce qu'on peut obtenir. Alors maintenant, je sais pas si on rafraîchit. Admettons, tiens, faites voir celui-là. Le port, récompense principale, d'accord. Et possible, bon, le port, c'est moi, il y a tellement de choses. Bref, bah, écoutez, c'est pas trop mal, c'est nouveau, c'est rigolo. Bah écoutez, au moins ce que je vais. Alors je vais courir déjà. Je vais courir, j'étais à pied. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer. Parce que si je veux. Alors je vais peut-être baisser un chouïa le son. Je vais me prendre 2-3 armes, 2-3 trucs. Parce que si je veux que la foire du désespoir bah, spawn, il va me falloir. Bah, il faut que je rentre et que je ressorte de ma base. Je sais absolument pas ce que j'ai sur moi. Alors attendez, on va aller vérifier. Déjà, bon, écoutez, c'est pas trop mal. Alors,
Bon, là, rien n'a changé. Alors, faites voir. Qu'est-ce que j'avais sur moi? Ok, j'ai une tenue SWAT. J'avais fait des missions. J'ai fait le laboratoire. Donc, voilà. Je vais aller poser ça. Hop. Le petit katana. D'accord, je l'ai. Bah, je vais garder les. Ah, je vais garder ça. On sait jamais. Je vais prendre ça. On va prendre quelques ressources. Allez, je vais aller prendre 2-3 trucs. Je vais prendre ça. Je vais prendre quelques armes pétées quand même. On va pas s'embêter. Tiens, celle-là, celle-là. Voilà, je vais prendre les armes qui ont déjà été préparées. Bon, ça devrait aller. Je vais prendre quand même un ou deux flingues. Je vais aller prendre 2-3 trucs. Je dois avoir deux flingues à moitié pétées. Voilà, celui-là, il est pas mal. Celui-là aussi. Bon, j'espère que ça devrait suffire quand même. Allez, celui-là c'est quoi? Non, ça c'est un silencieux, donc je le garde. Allez, on va en prendre un troisième parce qu'ils sont tous à moitié pétés. On va aller, je vais aller valider tout ça ici. Oula, je me suis dit, tiens, ça bug. Ok, comme ça tout est prêt. Alors, est-ce que j'ai un peu de bouffe sur moi? Ouais, j'ai 5 de bouffe et 6 d'eau. Ça devrait aller. Je vais peut-être prendre mon petit chien avec moi. On va en profiter. Allez, on va prendre 2 dindes. Ça devrait suffire largement. Et on va y aller. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Quoique, si on va en zone. Vous savez quoi? Je vais prendre une pelle. On sait jamais. Prendre une pelle neuve. On sait jamais s'il faut déterrer des trésors, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. J'ai vraiment aucune idée. Hein. Là, je prends une pelle, mais alors, apparemment, j'ai vu qu'on pouvait déterrer des trésors. Alors, est-ce que c'est en zone? Je pense qu'on fera les zones. Hop, je file un peu de bouffe à mes toutous. Bon, là, je vais finir ce katana. Je vais prendre quand même un mini flingue. On va voir ce que ça donne. À mon avis, j'y vais. Enfin, je pense que j'y vais avec ce qu'il faut largement. À moins que je sous-estime la foi. Qu'est-ce que j'ai dans le chauffeur? Excusez-moi, hein, mais je suis comme à la maison. Voilà, on est déjà. La vidéo est déjà à 7 minutes. Je suis désolé, c'est un peu long. Donc j'imagine qu'il y en a certains qui auront passé, d'autres qui ont voulu voir un peu ma base. J'ai quelques abonnés qui demandent notamment à ce que je présente un peu ma base. Pourquoi pas, et que je vous explique pourquoi je l'ai faite comme ça. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant. Alors, eh bien oui, mais moi j'ai rien qui spawn là. Elle est où cette foire du désespoir? Franchement, elle est où la foire du désespoir? Alors là, je ne comprends pas. Je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. Alors, ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire une micro-ellipse. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi elle spawn pas. Je fais une micro-ellipse et je reviens vers vous. Au pire, on va aller soit en zone, soit au bunker alpha pour aller vérifier un petit peu. Bon, quoique en attendant, on peut aller en zone. Hop, on va aller voir là-dedans. Alors, on va courir. Allez, on va courir. Peut-être qu'il faut dépenser un petit peu de. J'en sais rien. Allez voir ce qui se passe en zone. Moi, je la vois pas du tout cette fois. À moins qu'il y avait un perso dans ma base, il fallait que je lui parle. Ça, c'est possible aussi. J'ai peut-être fait la boulette. Écoutez, c'est pas grave. On va déjà commencer à aller voir ce qu'on peut trouver. Est-ce qu'on peut trouver des. Alors, on va aller voir ce qu'on peut trouver déjà en zone. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial en zone? Oui, je vois un truc là. Alors, il y a un puits. Oula! Ah ouais, mais c'est sympa! C'est hyper sympa. Attendez, on va les tuer 2-3 zombies. Ils vont nous faire yesh. Bon, là, c'est hyper sympa. Allez, on va voir ce qui se passe. Ah, il me faut des cordes. Alors, ben oui, à mon avis, c'est pour descendre dans le puits. Sois sympa, file-moi des cordes, toi, parce que là, j'en ai pas. Non plus. Bon, alors, il faut les tuer du zombie. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans la maison. Je pense qu'on peut rentrer dans la maison. Alors, attendez. La maison a l'air sympa. Fermé à clé. Ok. Bon, ça doit être. Là, je suis en zone. Alors, attendez, je vois un truc qui m'intrigue. Je vois un truc qui m'intrigue là. Je crois que j'ai bien fait de prendre une pelle. Je crois que j'ai bien fait de prendre une pelle, les gars.
Ok. Bon, ça peut être. Écoutez, bon, là, on est en zone verte, hein. Ah ouais, mais c'est sympa, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. C'est franchement stylé. Oula, je suis aggro là. Alors, moi, il me faut ça. Je vais quand même en profiter pour prendre la viande des toutous. De toute façon, je vais vous sortir cette petite vidéo. Déjà, rien que pour ça, on va faire le tour, on sait jamais. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir un autre chose? Bon, a priori non. Mais on va quand même tester. Bon, a priori non. Maintenant, on a les cordes. Donc, bon, attendez. Faites voir. Oh, c'est cool, hein. C'est franchement cool. Hein. Faites voir un petit peu. Elle part pas, elle? Elle partait pas. Bah, je te tue, ma biche. Allez, faites voir. C'est quand même sympa. On fait un petit tour de la maison. Petit tour du propriétaire. Bon, elles partent pas. Hein. Je sais pas ce qu'elles ont. Elle va se faire tuer. Bon, c'est pas grave. Hein. Je la tue. Allez, on a nos trois cordes. Ok. Clé trouvée. Ah, d'accord. C'était juste pour la clé. Ah non, non, non. D'accord. Donc, la clé est dans le puits. Ah non, non, je peux utiliser un flingue pour ça, vous êtes fous. Attendez, celui-là, il y a encore moins, à mon avis. On va faire comme ça, je pense. Bon, il m'a vu. Pas grave. Alors, il y a des petits coffres. On va aller voir ce qu'il y a. Enfin, c'est pas des coffres. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, ça se prend. Je vais manger un petit bout. Hein. Voilà. Là. Ok, on peut aller dehors. On va déjà prendre. Moi, je pensais qu'il y avait un sous-sol, mais non, 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 non. En fait, les baraques sont sympas. Hein. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Bon, là, on est sur une zone verte. Mais, bon, c'est cool aussi. Un petit kit. Écoutez, on n'a rien trouvé d'extraordinaire dans cette maison. Parce que je pense qu'on est en zone verte. Mais ça reste quand même vachement plus stylé qu'avant. Et je pense qu'en zone, en zone orange ou rouge, donc ça va avoir le coup d'aller se faire ça et d'aller checker tout ça. Écoutez, on va sortir. Je vais aller voir s'il y a quelque chose qui spawn. Sinon, je pense que je vais rentrer à ma base. Je vais rentrer à ma base et on va aller voir ça ensemble. Je pense qu'il doit y avoir un perso dans la base, devant la base. Ça m'est déjà arrivé. J'ai dû le zapper, je ne l'ai pas vu. Donc ça se trouve, vous êtes tous là à dire il y a ma perso, il y a ma perso. Bon, on va courir. On va courir. Donc on a fait une petite zone toute simple. C'est beaucoup plus stylé. Par contre, en termes de mise à jour, forcément, il y a quelqu'un là. Sinon, de toute façon, je vais faire des recherches. Je vais faire des recherches pour savoir où est cette base. Parce qu'à mon avis, il faut la débloquer, cette foire du désespoir. Je pense. Écoutez, j'en suis quasi, quasi sûr, quasi sûr. Alors, à mon avis, elle est devant, là. Il doit m'attendre devant. Mais bien sûr. Mais bien sûr, il. Ben non, il n'est pas là. C'est quoi ce délire? Alors attendez. Est-ce que là on a le guérisseur? Mais je m'en fous du guérisseur. Là on a nos amis les pilleurs. Mais écoutez. Franchement là je comprends pas. Ah attendez. À la radio? J'ai une nouvelle marchandise, je suis prêt à les échanger. Ouais bon d'accord, ok. Bon là. C'est notre ami. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je sais pas. Oui, cette foire du désespoir. Écoutez, je vais regarder. De toute façon, je vais vous faire une autre vidéo. Au pire, on fera le bunker. Alors, il faut peut-être aller au bunker, hein, tout simplement. Hein. Ça va peut-être débloquer quelque chose. J'en sais rien.
Écoutez, en attendant, c'est le début de la mage. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas c'est stylé, il y a des petits trucs stylés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites voir si j'ouvre un coffre, au hasard. Ouais. Bon, là, ok, là c'est pour augmenter le coffre. Peinture de coffre. Ah oui, d'accord, on peut repeindre directement, mais ça, il me semble que ça y était déjà. Bon, mais écoutez, j'en sais rien. Je vais checker et de toute façon, on voit ça ensemble dans la vidéo suivante. Allez, bye bye.